C'est assez commun, vous savez. Hein? Qu'est-ce que vous dites? De ne pas avoir de photos de votre femme, de votre famille. Pourquoi vous dites ça? À l'époque, tout le monde avait un smartphone. C'est là qu'on stockait toutes nos photos. Et quand les téléphones ont disparu, quand le cloud a disparu, nos photos ont disparu aussi. Ouais, j'y avais pas pensé. Ma femme, Carrie, son père était photographe à l'ancienne. Chambre noire, révélateur, la totale. Il devait être un peu trop têtu pour se mettre au numérique. Sans lui, il ne resterait plus aucune photo. Moi, j'avais horreur de ça. Les portables. Comme si les gens étaient incapables de lever le nez de leur téléphone. Toujours refusé d'en avoir un. Intéressant. Mais comment vous faisiez? J'étais mécano. J'avais mon propre garage. Je devais avoir le dernier téléphone fixe de tout Farewell. Vous prenez les choses au sérieux par ici. Le colonel est sûr qu'avec de la motivation et de la discipline, tout est possible. Allez, mène ton cul! Je vais aussi vite que je peux! Dépêche-toi! C'est ça, la motivation pour vous? Le colonel a créé un camp de travail au sud de l'île, pour les inaptes au service. Certains d'entre eux ont besoin de plus d'encouragement. Je vois le vent. Allez, suivez-moi. Chef, oui, chef. Rejoignez les autres. Bonne chance, Saint-John. Vous vous êtes fait choper aussi? On s'en fout. Hey, mec! Ça fait plaisir de te revoir. Saint-John, c'est ça, le fils du prêcheur? Alors, c'est quoi cette histoire de prêcheur que tu rabâches? Hey, relax, je déconne. Tu l'as retrouvée? Quoi? La meuf que tu cherchais, celle qui voyageait avec toi? Non. Allez, mettez tous vos bijoux, montres et merde du genre, dans le sac. Quoi? Ok, mec, comme tu veux. C'est quoi ce délire? Les recrues ont pas le droit aux effets personnels. Quelqu'un finira par les faucher, de toute façon. Allez, à boule. C'est ça, quelqu'un finira par les faucher. De la merde, ouais. Garde à vous! Voilà, voilà le chef. Repos. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a invité. Que l'un de mes lieutenants vous a recruté. Quand vous me répondrez, commencez par vous présenter, compris? Nom de famille en premier. Je me démerde, comme tout le monde. Votre nom? Putain. Atkins. Crystal. Chef. Combien d'hommes avez-vous tué? Avant ou après? Répondez à la question. Va te faire foutre! Nous avons tous dû commettre des actes répréhensibles. Quoi? Pour survivre. Rester en vie. Le Seigneur Tout-Puissant le comprend. Là-dessus, il ferme les yeux. Mais ici même... Sur le visage de cette femme, je reconnais l'œuvre du malin. Des tatouages de prison. La preuve de ce que vous étiez et êtes sans doute encore. C'est à cause de gens comme elle que le Seigneur Tout-Puissant s'est résigné à abattre sur nos têtes son redoutable courroux. Emmenez-la au camp de travail. Quoi? Je vous emmerde! Allez tous vous faire foutre! Enfoiré nazi! Allez, beauté, lâchez-moi, connard! Aïe, aïe, aïe. Je jure que... Bougez, lâchez-moi! Pourquoi pas? Passons lui à vous. Il a des tatouages aussi. Taylor. Wade. Et, non. Chef. Non, je suis jamais allé en prison. J'ai jamais tué personne, rien de tout ça. Vous avez vécu dans le No Man's Land? Oui, enfin, je... Je sais me servir d'une arme. Mon paternel m'emmenait chasser quand j'étais gamin. Dans un campement près de Camas Falls, c'était...
Et vous, fiston, vous savez manier une arme? Saint John, Deacon, oui, je sais manier une arme. Vous êtes un drifter. Tendez votre bras droit. La division de montagne, Irak. Afghanistan. Service honorable, ne mentez pas, je le saurai. Détaché une fois, servi avec honneur, j'en ai détesté chaque minute. Oui, tu ne mentiras point. C'est bien. Levez la main droite. Jurez-vous solennellement de soutenir et défendre la nouvelle constitution des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, naturels ou non naturels, de participer à son application concrète et d'obéir à tous les ordres sans hésitation. Le jurez-vous en votre âme et conscience? Je le jure. Disposez. Suivez-moi, fiston. Forme, soldat. Le capitaine Coury me recommande peu de recrues ces derniers temps. Vous avez dû l'impressionner. Oh, j'ai passé un bon bout de temps dans le No Man's Land. Vous savez gérer les mutants? Oui, colonel. Comment ça va? C'est autant que les autres. Bien, bien. Entrez. Le doc va vous ausculter. Le pouls est fort. Cœur normal. Vous avez une vilaine brûlure. Comment c'est arrivé? J'ai eu un souci avec un poêle à bois. Un poêle à bois, hein? Qui a soigné ça? Moi. Non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Merci. Gardez les bandages ou vous risquez de perdre le bras. C'est compris, amigo? Ouais, compris. Revenez me voir pour un examen dans quelques jours. Ça roule. Alors, Doc? Oh, il est apte au service. Lo hará bien. Vous sortez dans le No Man's Land? Je regrette, Doc. Yatiene Novia. Il a été recommandé. Laissez-moi deviner. La sorcière de Wizard Island? Vaya con Dios. Bonne chance, amigo. Allons-y, fiston. D'ordinaire, je ne tolère aucune insubordination, comme traiter un officier de sorcière. Mais je fais une exception avec les officiers les plus excentriques. Je vois. Si je fais des exceptions, c'est parce que chaque homme et femme encore en vie a un rôle à jouer. Vous croyez en Dieu, Saint John? J'y ai jamais vraiment réfléchi, colonel. Eh bien, je vous suggère de vous y mettre. Il a un plan pour nous, pour chacun de nous. Et mon rôle, c'est tout ceci. C'est-à-dire? Cet endroit, j'ai eu une vision. Oh, rien d'aussi grandiose que dans l'Ancien Testament. Pas de chariot enflammé ou de buisson ardent. Je me suis simplement réveillé un matin, avant que la colère divine s'abatte sur la terre. Et j'ai su que c'était ici. Crater Lake? Wizard Island? Je la surnomme l'Arche. Vous connaissez l'histoire de l'Arche de Noé? Ouais, enfin oui, colonel. Tout le monde connaît. En effet, vous seriez surpris de savoir à quel point peu de gens ont lu la Bible ou le livre de la Révélation. Vous voulez lire la Genèse, pour l'histoire de Noé? Enfin, je veux dire, c'est le livre de la Genèse, colonel. Oui, bien entendu. Bon, on va vous trouver de l'équipement. D'accord, ça me va. Ok. Je dois bien admettre qu'en termes d'uniforme, on n'a pas grand-chose, mais je pense qu'on devrait... Ah, tenez. Essayez ça. Elle me va, on dirait. Je vous débarrasse. Si ça vous embête pas, c'est un cadeau d'un vieil ami. Un vieil ami? Une dorée particulièrement rare ces temps-ci. Oui, c'est vrai. Très bien, soldat. Mais je ne veux pas l'avoir sur votre tête. Vous êtes des nôtres, maintenant. D'ordinaire, les nouvelles recrues commencent au rang de seconde classe. Cependant,
Le capitaine Coury s'est porté garant de votre expérience sur le terrain. Vous commencez donc directement au rang de caporal. Félicitations, fiston. Merci, chef. Oui, déjà gradé. Bien, je vais vous trouver de quoi faire. Bien, où en étais-je? Vous me parliez de l'Arche, colonel. Ah oui, l'Arche. Vous n'en voyez qu'une infime partie. Derrière nous s'étend un vaste réseau de grottes et de galeries qui montent jusqu'au sommet. Lorsque nous en aurons fini, elles seront remplies de graines, de plantes, de fichiers informatiques et de livres. Le monde pourra bien s'éteindre. Les progrès de la médecine, de la science et de la technologie ne disparaîtront pas avec lui. Non, colonel. Mais cette île est bien plus qu'une arche, caporal. C'est un bastion, une forteresse. Ici, à la porte nord, nous stockons assez de munitions pour attaquer les mutants. Nous avons des fusils, des grenades, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes. Nous avons même de quoi fabriquer n'importe quel type de munitions. Voici le département de génie mécanique. Si vous avez besoin de faire réparer votre moto, demandez à l'officier de garde. Et comme vous pouvez le voir, grâce à feu la garde nationale, nous créons un véritable parc automobile. Quand les hordes ne bloqueront plus les autoroutes, nous pourrons rebâtir les ponts et les routes. Votre politique de la terre brûlée passe pour les têtards ou les grouilleurs, mais vous nettoierez jamais l'autoroute comme ça. Ça arrêtera pas les hordes, colonel. Nous le savons, caporal. Les hordes sont à traiter comme une bête à part. Mais nous avons un plan. Un plan ? Comme le disait Benjamin Franklin, en omettant de vous préparez à l'échec. Nous n'échouerons pas. Le cœur de mes troupes réside ici, aux portes, paré à prendre les armes. Ces tentes abritent des centaines d'hommes et de femmes. Comme vous, ils jurent de servir loyalement notre cause. Mais j'ai autre chose en tête pour vous. Une tâche qui requiert plus que la seule capacité à survivre dans le No Man's Land ou à se servir d'une arme. Combien de temps qu'on attend ? Vous vous sentez d'attaque. Ça devient ridicule. Oui, colonel, je suis à vos ordres. Vous vous demandiez comment nous comptons vaincre la Horde. Je vais vous montrer. Tout va bien, lieutenant ? Bonjour, colonel. Désolé pour le bruit, j'ai eu la main trop lourde sur l'acétone. Lieutenant Weaver, notre ingénieur en produits chimiques, il cherche de nouvelles façons... De faire péter des trucs ! ...de vaincre nos ennemis. Désolé, mais... oui. Je m'appelle Weaver. James. Saint John, Deacon. Tous ces trucs de la milice, là, c'est juste pour l'image. Pas vrai, colonel ? Le caporal Saint John intègre l'unité de Coury. S'il vous faut quoi que ce soit dans le No Man's Land... N'hésitez pas. Ouais, super. Venez voir, j'ai besoin de quelques trucs. Vous bossez sur quoi ? Bon, juste un agent gélifiant à base d'acide naphtinique et palmitique. Vous fabriquez du napalm ? Ouais. Ouais, ce mec s'y connaît. Oh, j'ai eu un coup de bol. Navré de vous interrompre. Oh, pas de problème. Hé, colonel. Je touche au but, colonel. C'est presque prêt. Parfait. Excellente nouvelle. La prochaine étape ? La sorcière de Wizard Island ? Ce sera tout, lieutenant. Une fois encore, excusez mes officiers les plus... excentriques. C'est rien, colonel. Un dernier arrêt. Bien que j'accorde une grande importance aux travaux du lieutenant Weaver, ce que vous allez voir nous mènera, à mon sens, à la victoire. Entrez. Bon, qu'est-ce que c'est ? Madame, j'ai ramené ce qui était marqué sur le formulaire. Ça ressemble à d'adoucissant pour vous ? Non, madame. Ok, lisez-moi l'étiquette.
Agent actif, chloroforme et terpine. Dehors. Allez, bras. Dehors. Matt, comment veux-tu que j'y arrive si je dois m'occuper moi-même du ravitaillement? Je vais m'en occuper. Lieutenant Whittaker, je vous présente le caporal St. John. Il vient d'intégrer l'unité de Koury. Il a de l'expérience dans le No Man's Land. Lisez ça. Quoi? Lisez ça. Vous savez lire, pas vrai? Agent actif, chloroforme, terpinéol A, alcoobenzélique, éthylène, acétate. Ça ira. Il commence quand? Je vous laisse gérer. Continuez, lieutenant. Laissez-nous. Sarah. Garde à vous, soldat. Sarah, je... Stop. Seconde, je suis larguée, j'arrivais pas à te retrouver. Je croyais que t'étais morte et je... Non, on a été envahis et on a dû partir au sud. Le Nero a dit que personne n'avait survécu. Le Ferwell était infesté, ils ont dit que tout le monde avait été tué. J'avais abandonné tout espoir de te revoir. Écoute-moi, on peut se tirer d'ici, partir dans une direction sans se retourner. Allez, viens. Non. Non, Deacon, je peux pas. Ah. Et... C'est eux, ils te forcent à rester? Non, tu réalises pas. On est en pleine guerre, là. Tu le vois pas? Et cette guerre, on peut la gagner. Je suis pas venu là pour faire la guerre. Ici, je suis utile. Je peux faire la différence, mais je peux pas partir avec toi. Je dois rester ici. Tu comprends? Tu peux rester ici avec moi et m'aider. Écoute, quand ce sera fini, je te suivrai n'importe où. On fera ce que tu veux. Le colonel vous cherche. À vos ordres. Attendez une seconde. Votre formulaire de réquisition. Merci, soldat. Wouhou, il a retrouvé sa femme, les potes. Bon. 100%, il a retrouvé. Diable.